Et là, vous avez le titre. Voilà, c'est Clouds, donc les nuages. Monsieur, attention, ça va pas être évident de faire ce que j'ai envie de faire. Ça a marché. Là, au-dessus, c'est la fin du niveau. Mon astuce, c'est vous mettez là, je sais pas si on peut passer entre les deux nuages, bref, vous vous laissez tomber. Plus simple que ce que j'ai fait. Vous vous laissez tomber ici, vous serrez à droite et vous atterrirez sur la vie. Regardez-moi ça. Ah, c'est un ogre. Il est gigantesque. Bonjour à tous, c'est l'OSH, on se retrouve sur Mr. Nut, notre let's play. Aujourd'hui, on va faire écouter la sortie du volcan, donc on a terminé, enfin ce volcan, on en voit enfin la fin. Et on va faire un niveau assez sympa qui est dans les nuages, vous allez voir. J'ai hâte de vous présenter ça, à de suite. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on s'est laissé à la sortie du volcan avec ce magnifique arc-en-ciel. Bah, figurez-vous qu'en fait, c'était pas la fin du niveau, pas complètement du moins. Il fallait passer cet écran. Et là, vous avez le titre. Voilà, c'est Clouds, donc les nuages. Alors attention, c'est un niveau qui est unique, donc un niveau, c'est le dernier niveau, mais attention, il n'est pas simple pour autant. J'ai plus de noix. Alors, j'avais plus de noix, ou est-ce qu'ils m'ont réinitialisé tout? Je sais pas. Je sais plus si on avait des noix la dernière fois. Alors, je disais un niveau pas simple, parce qu'on se fait beaucoup harceler par des monstres souvent compliqués. Ah, on peut se baisser. On peut se... Non, alors lui, non, il était plus bas que les autres. Mieux sauter, c'est mieux, c'est le mieux à faire. Le retour de la chenille qui pique, on l'avait vu dans le premier monde, je vous rappelle. Ça date. Ça y est, j'ai des noix. Ça, c'était un joli trésor, ça a fait plaisir. Mais c'est pas possible. Attention, je commence déjà à perdre beaucoup, alors que c'est que le début. Je crois que c'est à droite d'abord, mais je suis pas sûr, on va voir où ça mène. C'est juste à ça, alors c'est bon, c'est ça. Voilà, c'était pour un petit carré rouge, pour ne pas l'oublier. Et maintenant, la suite, c'est par ici. Merci. Ah ouais. Alors lui, il envoie des missiles, c'est ça? Des genres de missiles. Voilà, ça c'est fait. Attention, encore des bonhommes nuages. Hop. Voilà. Alors ces petites plateformes, elles sont traîtres parce que si tu les loupes, bah tu tombes alors soit dans le vide, dans en l'occurrence ici, ou sinon, quand on sera plus haut, bah on retombe tout en bas du niveau, quoi. Faut faire très attention. Voilà. Voilà, là, regardez. Faut vraiment pas se louper. C'est pas évident des fois. Alors si t'es un petit joueur... Oh, regardez, je dois revenir là. Ah, c'est traître. Si t'es un petit joueur débutant,
C'est vrai que c'est galère. Là, regardez, il faut passer vite avant qu'il largue. C'est ça la technique. Voilà, là il largue, je suis coincé. Il m'a coincé. Vite. Vite. Oh putain, in extremis. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. J'ai vu des pièces. Et un carré rouge. Parfait. Ok. Bon. Je me démerde pas trop mal. On va faire attention à continuer comme ça. Les oiseaux, ils sont terribles, les oiseaux. Attention. Ils ont une trajectoire qui est imprévisible. Ah non. Zut, j'aurais dû passer. Hop, je suis passé. Parfait. Attention. Oh mon Dieu, t'as failli m'avoir, toi. Dégage. Ah, il y en a de partout, ces bestioles. Voilà, m'embête pas, toi. Il me reste 10 noix. Waouh, cet arc-en-ciel. On est en plein dedans, là. Alors, attendez. De mémoire. Je sais plus. Il y a une vie cachée quelque part et je sais plus où elle est. Je crois... Vas-y, descends, toi. Tu me mènes pas une vie. Putain, ouais, je savais qu'il y avait une vie, mais regardez, j'ai pas réussi à la voir. Et je suis redescendu bien bas. Elle était traite, cette vie. Je remonte de beaucoup, là. Oui, je crois que je reviens de loin, là. Je vous retrouve quand on était où on en était. Je sais pas si c'est français. À de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, la vie, en fait, elle est un peu plus haut sur la droite. Donc là, je peux plus y accéder maintenant que j'ai plus l'oiseau, parce que l'oiseau m'aurait bien aidé. Toi, tu m'as bloqué. Faut que je passe avant. Voilà. Ah, mon Dieu. Ah non. J'ai des noix. Oui. Voilà. Se calme. Tout droit devant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Un oiseau. Tu crois qu'on le mène là où je veux l'amener? On tente? On va tenter, hein. Allez, pourquoi pas. Il me suit? Ouais, il me suit. Attention, ça va pas être évident de faire ce que j'ai envie de faire. Ça a marché. Ça m'a permis de me remettre tous mes points rouges. Je vous refais une petite accélération, évidemment, parce qu'il faut tout remonter maintenant. Vous avez vu, elle est vraiment pas simple à avoir, cette vie. Voilà, on est de retour. Elle était pas simple à avoir, mais elle a l'avantage de me remettre tous mes points rouges. Dans un niveau comme ça, c'est pas négligeable, ça se refuse pas. Allez, bon, on est de retour un petit peu en arrière. Quoique, non, on en était par là à peu près. Voilà, on en était là. Alors là, c'est là que l'oiseau est arrivé. Est-ce qu'on peut monter là? On peut pas. Avec élan, oui, comme ça.
Alors, j'espère qu'il va pas y avoir un oiseau ou un truc dans les airs, là. Eh putain, il y a un oiseau, mais c'est pareil. Ça va, j'ai géré. Un carré rouge. Ben, on le prend pour avoir des points, mais on en a pas besoin. Je suis plutôt fier de moi pour la vie. Ah, elle n'était pas évidente à avoir, vous avez vu, hein. Vraiment pas simple. Oh non, encore des oiseaux, encore des oiseaux. Non mais cassez-vous. 1, 2, 3. Je crois qu'on est à la fin là, non? Mais casse-toi, toi. Il n'y a plus rien en haut. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien en haut. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Un petit nuage, petit oiseau pour confirmer. Ouais, il n'y a plus rien en haut, c'est la fin. Ah, les amis, regardez, on est à la fin. Non, pas tout à fait. Ouais. Laisse-moi passer. Voilà. Alors là, on peut redescendre et on peut aller là. Il y a des nuages. On va y aller. Est-ce qu'on peut les avoir? Alors, mon astuce, les amis, c'est que là, au-dessus, c'est la fin du niveau. Mon astuce, c'est vous mettez là, je ne sais pas si on peut passer entre les deux nuages, bref, vous laissez tomber, plus simple que ce que j'ai fait. Vous laissez tomber ici, vous serrez à droite et vous atterrirez sur la vie. Par contre, il faudra tout remonter et bien évidemment, vous retomberez de loin. Et je crois que c'est terminé. Oui, oh, j'en vois la fin. Il n'était pas simple. Je vous présente le boss, Ograum Papas. Ou Papa, je ne sais pas. Alors vous allez vous dire, oh mais il a que 5 barres de vie. Sauf que le seul moment où tu peux le toucher, ça arrive pas souvent. Donc en fait le combat peut durer très longtemps si tu mets plus de barres de vie. Regardez-moi ça, ah c'est un ogre. Il est gigantesque. Attention, ah oui sa main, on commence avec la main c'est vrai. Alors, attention, ah j'ai sauté, oui c'est bon. Attention. Attention, il essaye de vous attraper. Après, il va faire le petit doigt. Il va lever son doigt en l'air à un moment. Alors, je peux pas le toucher. Hein. Si vous voulez, regardez, je peux. Regardez, il attaque plus vite là. Attention, il m'a eu. Là, il va sauter. Alors, est-ce qu'on peut rester là ou pas? Non, il fallait s'enlever. Et sauter sur la tête après. Donc là, vous voyez, j'ai loupé mon tour. J'avais une occasion. Là, il vous attaque avec ses yeux. Il faut les esquiver sans se faire toucher. Ce qui peut s'avérer compliqué si on s'y prend mal. Ça va. Allez, ressort ta tête. C'est bon. Alors, surtout, mettez-vous sur le côté. Attendez qu'il sorte la tête. Sautez-lui vite dessus avant qu'il disparaisse. Mais je crois que j'ai envoyé une noix. Ça a marché. Là, il va tirer la langue maintenant. Lorsqu'il tire la langue, il va se déplacer également, il me semble. Mais si vous restez complètement à gauche ou à droite, normalement, il ne vient pas vous voir. Voilà. Oh merde. Non, tu me coinces là. Attends. Non, ça va, il arrête. Alors, il fait quoi? Il va rentrer la tête? Ouais, de ce côté ou au milieu? Je sais pas. Et donc, une noix, ça marche. Bon, bah, je suis obligé de lui sauter dessus finalement. Commence avec sa main. C'était limite. Là, il lève le doigt, là, il va aller plus vite. Ouais, j'ai l'impression qu'il charge un peu plus vite. Bon, allez, je vais me faire un plaisir de lui sauter sur la tête. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Voilà, encore 2 barres de vie. Attention, ça va se compliquer là. Il va nous faire les yeux, la langue, la main. Il va tout nous faire, je crois qu'il va tout nous faire en même temps. Alors, je suis pas sûr qu'il fasse la main aussi, parce que ça risque d'être compliqué sinon. Et je crois me rappeler qu'à un moment, alors c'est peut-être pas maintenant, peut-être la prochaine fois, il va faire les yeux et la langue en même temps. Alors, est-ce que c'est moi ou il change de couleur? Je sais pas s'il change de couleur, est-ce qu'il devient pas un peu plus rouge? Ou c'est moi?
Je sais pas. Ouais, bon, ça peut être très compliqué parce qu'en fait, il vient pas vous voir sur les côtés. Donc, restez à gauche ou à droite. Sa langue, faut pas la toucher, je vous l'ai pas dit, mais vous vous en doutez. Et ben voilà, c'est fini. Bon, on l'achève avec quoi? Avec une noix? Allez. Voilà. Bon, un petit boss tranquille, hein. Faut juste faire attention, mais... Voilà. On a vu pire. Pas mal, elle rigolote l'animation. Voilà les amis, cette fois on a définitivement terminé le monde du volcan cloud plus les nuages. Et nous allons voir notre pourcentage de pièces. Notre pourcentage. Je pense pas avoir fait un 100%, mais à mon avis on s'en approche quand même. J'ai plutôt bien géré. Ah, alors, verdict. Ce quatrième monde, ça donne quoi? 95%, pas mal. C'est bien, c'est bien. Je vous laisse un petit aperçu du prochain monde, les amis, et je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était l'OSH, j'espère que ça vous a plu. On va arriver au cinquième monde. C'est ça, hein, cinquième monde? 1, 2, 3, 4, on va sur la droite. Alors ici, c'est le cirque, vous allez voir. C'est rigolo. Voilà, on voit les nuages en haut qu'on a fait. Voilà, je vais faire une petite pause, c'est Main Streets. Et on se laisse à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu, comme d'habitude. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, ça vous permettra de voir les notifications des prochaines vidéos. Et la prochaine fois, on se fera ce niveau amusant que j'aime bien. Des bisous, ciao tout le monde.